non, mais c'est quoi cette astuce? À un moment donné, il faut dire stop, je vais me brûler un œil. 3, 2, 1, allez, c'est parti, on teste. Hey hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo très spéciale dans laquelle je vais me maquiller avec des astuces de TikTok. Et alors je sais pas ce qui se passe sur TikTok en ce moment, mais il y a des astuces vraiment trop bizarres, il y a du laisser aller, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des astuces vraiment pourries et des astuces franchement qui fonctionnent, même si on dirait pas comme ça et qu'elles sont hyper dangereuses au début, bah ça cartonne. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas tester tout ça aujourd'hui avec tes abonnés. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc posez-vous tranquillement, installez-vous, sortez les pop-corn, le bonbon, le coca, les chips, tout ce que vous voulez et on regarde ça tout de suite. Let's go! Allez, c'est parti, prenez vos téléphones portables, vos ordinateurs, vos iPads et on va regarder la première astuce TikTok. Donc là, waouh, elle va nous montrer comment avoir le teint glass skin, ce fameux teint que les coréennes adorent complètement, c'est elles qui l'ont inventé et c'est vraiment la mode, c'est une tendance make-up cette année, c'est un truc de fou. Donc voilà, elle nous dit qu'il faut prendre son labello, bien l'appliquer un petit peu partout et ça nous permet d'avoir ce fini brillant, la peau super super jolie, presque transparente. Donc c'est parti, je prends mon labello, j'ai jamais testé ça mais c'est parti, on va regarder ça. Elle en prend un petit peu, ensuite elle en met sur sa main. Oh my god, j'ai jamais testé ça. Et en plus, la dernière astuce aujourd'hui, ça va être très choquant. Mon dieu, mais là, ça commence très mal. Hein. C'est mal parti, cette histoire. Donc voilà, elle en met comme ça. Elle en met beaucoup, franchement. Après, elle prend, voilà, deux doigts, on va dire, comme ça. Allez, trois. Soyons fous. Voilà, comme ça. Et elle vient... Non, je le fais avec deux doigts. Désolée, les amis, mais sinon, je peux pas. Et elle vient tapoter ici. Alors, je sais pas si elle est maquillée. On dirait vraiment qu'elle est maquillée. Voilà, hop. Et elle vient tapoter ici. Non mais attendez, qu'est-ce que ça donne là? Eh mais c'est quoi ce truc franchement? Non mais qui fait ça? Elles sont trop fortes les coréennes, elles ont toujours des astuces trop bizarres mais qui fonctionnent trop bien, ça leur fait vraiment des teints magnifiques. Voilà, hop, je recommence, j'en mets ici comme ça. Sur TikTok ils ont des idées, c'est grave. Je vais juste faire sur les paupières, voilà, tac. Et après on prend comme ça, elle en met ici. Ok. Ce que je fais, c'est que je vais en prendre ici pour l'autre côté. Je fais comme ça et comme ça. Comme ça, vous voyez tout ce que je fais. Au cas où ça fonctionne, hein. Ce serait cool que ça fonctionne. Mais bref, voilà les amis, j'ai fait comme elle. Après, j'en ai pas mis sur tout le visage, hein. On va pas se risquer. Mais voilà. Alors, ouais, il y a un petit effet glossy. Mais déjà, au doigt, c'est hyper dur. En plus, avec mes ongles de 3 km, je galère. Voilà, pour le mettre à l'intérieur et tout. Donc, moi, c'est vraiment que au centre. Je sais pas si vous allez voir du coup. Mais voilà le résultat. Ça brille un peu. Franchement, là, ça brille. Surtout au niveau des paupières, il y a un petit effet glossy. Alors entre nous, j'aime bien le glow, j'adore quand ça brille et tout. Mais alors là, avec ça, non merci quoi, ça fonctionne pas du tout. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi franchement, je ne valide pas du tout. Mais alors pas du tout cette astuce, c'était du grand n'importe quoi. Et le résultat, voilà quoi, c'est pas trop ça. Donc on passe bien sûr à la prochaine astuce. J'ai les doigts tout dégueulasses là. Oh quelle horreur. Mais bref, c'est parti, on passe à la prochaine astuce. Alors, pour cette deuxième astuce, bien sûr, c'est une fille qui, regardez, elle va essayer de se faire des taches de rousseur. Vous savez que c'est à la mode, c'est trop beau. Avant, les gens étaient complexés par ça, mais là, franchement, elle va utiliser un feutre liner. Voilà, donc tout simplement, tout bêtement. Et elle va, en fait, en mettre sur les doigts, comme vous le voyez, et appuyer un petit peu partout. Voilà, tapoter sur le centre de son visage, voilà, au niveau du nez. Et franchement, le résultat est vraiment, vraiment pas mal. Donc, je sais pas si sur moi, ça va être une catastrophe ou si je vais réussir. C'est parti, n'hésitez pas à tester de votre côté aussi. Donc voilà, elle prend son feutre liner comme ça tout bêtement. Elle en met sur le doigt. Voilà, en fait elle fait des taches de rousseur. Oh ah, je commence déjà à faire des traits énormes. Ça commence très très mal cette histoire. Donc voilà, hop, elle en met un petit peu partout, vous voyez. Non mais pourquoi moi je fais des gros trous? Ah mais regardez. J'espère que ça va marcher, hein, sinon je vais avoir une tête. Non merci quoi. Et du coup très vite, hein, vite, vite, vite. Hop là, on met ça ici. Oh ah, j'aurais peut-être pas dû faire aussi vite. Oh mon dieu. Voilà, là je me suis même pas appliquée quoi. C'est vraiment... Oh mon dieu, hop là. Eh, c'est pas mal hein. Donc ensuite elle va en mettre carrément partout, partout. Oh my god. Elle va en mettre carrément... Oh mon dieu, j'espère que je vais pas avoir une tête chelou après, à la fin de cette astuce. Donc après, elle en met carrément directement, vous voyez, ici. Oh, c'est pas mal, hein. Waouh. Et vous avez vu, elle presse très fort. Hein. Et c'est parti pour l'autre côté. Attendez, je prends mon miroir, sinon je vais faire n'importe quoi.
J'aurais des taches de rousseur sur le front et partout là. Oh ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, par contre, ça me fait des... Ah mais, mais ça marche quand même. Franchement, le résultat, il est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, ça a marché? Moi, je trouve vraiment que oui, ça a marché. Hein. Je trouve que ça me fait des belles taches de rousseur. Et ça fait vraiment l'effet taches de rousseur avec des taches un petit peu plus grosses, d'autres beaucoup plus fines, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, cette astuce est complètement validée. On passe à la prochaine. Alors cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une fille qui a décidé de nous donner une astuce pour avoir des cils encore plus longs, beaucoup plus beaux, etc., bien recourbés. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre du mascara. Voilà, elle va appliquer son mascara. Et juste après, petit souci, moi j'ai pas compris cette astuce, trop bizarre, elle va mettre un gros coup de sèche-cheveux dans ses yeux, comme ça, voilà, à fond, donc c'est très dangereux. S'il y a des jeunes qui me regardent, je sais qu'il y en a beaucoup, donc surtout ne reproduisez pas cette astuce, c'est hyper hyper dangereux, il peut avoir n'importe quoi qui sort du sèche-cheveux, on sait jamais, du feu, quoi que ce soit, on sait pas du tout, donc ne reproduisez pas ça. Mais en tout cas, à la fin, ça lui fait vraiment un rendu magnifique, des cils encore plus longs, et c'est trop beau. Bref, en tout cas, moi j'ai trop hâte de tester pour voir si ça marche sur moi, j'aimerais trop, mais en tout cas, c'est vrai que la fille, là, notre copine, elle est un petit peu folle, mais on va voir si ça marche. Du coup, moi j'ai pris plusieurs, j'ai les mêmes mascaras qu'elle. Voilà, c'est le mascara Benefit. Voilà, là c'est le roller lash et j'aime bien parce qu'ils ont des petits bébés aussi trop mignons comme ça. Franchement, c'est trop chou. Il y en a d'autres aussi, ça ce sont mes préférés, les Bad Gal Bang. Toujours de chez Benefit. Et enfin les Derril, j'en ai plein. À chaque fois il y a le petit bébé et la maman. C'est trop chou. Mais moi je vais prendre le même qu'elle et c'est parti, on va tester. Donc je vais mettre déjà dans un premier temps mon mascara, hein, tout simplement. Je vais le mettre que d'un côté, puisque tout à l'heure j'ai une autre astuce pour les cils. Ah, il est bien ce mascara quand même, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon dieu, c'est trop chaud en plus. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on va venir lifter nos cils, les amis. Du coup, voilà, bien les recourber et tout. J'ai trop peur. C'est parti. 3, 2, 1. Ah oui, et elle dit aussi qu'il faut utiliser une cool temp, c'est-à-dire une température assez, assez cool. Voilà, pas hyper, hyper chaud au niveau 3. Donc je vais le mettre au niveau 1. Allez, niveau 2 et 3. Oh mon dieu. Ah, mais je vais me couler l'œil. C'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Donc voilà, et après, c'est comme ça. Mais ça fait de fou. Eh, mais c'est quoi cette astuce? Et ça fait trop peur, ça fait flipper. J'arrête, en plus j'ai mis des lentilles. Donc imaginez hein, si mes lentilles prennent feu et tout. Mon dieu, les pompiers vont débarquer ici. Donc voilà, on va voir si ça m'a lifté les cils ou pas. J'ai trop peur du résultat. Non, je crois pas du tout. En fait, c'est vrai qu'ils sont bien recourbés, mais je pense surtout que c'est grâce au mascara, hein, certainement pas avec le sèche-cheveux. Donc, si vous voulez gagner du temps, ne reproduisez surtout pas cette astuce. Pour moi, elle n'a pas fonctionné du tout et puis elle est hyper, hyper dangereuse. On passe à la prochaine astuce. Donc là, les amis, c'est une astuce spéciale lèvres pulpeuses, puisque je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux, puisqu'il y a plein de mecs aussi sur Insta qui mettent des injections, qui veulent avoir les lèvres pulpeuses, etc. Donc là, apparemment, j'ai la solution pour vous, une astuce TikTok qui permet d'avoir les lèvres encore plus pulpeuses sans passer par les injections ou faire des trucs bizarres, vous savez, les ventouses, etc., qu'on vend sur AliExpress et qui défoncent complètement vos lèvres. J'ai une astuce trop bizarre, donc c'est parti, on va regarder ce qu'elle fait. Du coup, elle va prendre ses petits LA Girl, elle va prendre le plus foncé des deux, elle va en mettre en haut et en bas. Ok. Ensuite, elle va prendre le plus foncé, toujours elle en met au milieu, sur les côtés, elle met son rouge à lèvres et elle prend le plus clair. Et hein, elle essuie en haut là aussi, voilà. Elle donne un coup de propre pour avoir une lèvre vraiment beaucoup plus pulpeuse en haut. Enfin, ça fait vraiment un effet trop mignon. Et voilà le résultat. Et ça fait vraiment comme les bouches des coréennes là ou des chinoises ou japonaises. Je sais plus, mais en tout cas, le résultat est magnifique. Donc c'est parti, je vais tester. Oh, mon dieu, qu'est-ce que ça va donner sur moi? J'ai un petit peu peur, mais on va voir ça. Du coup, hop, alors moi ça va, j'ai quand même des lèvres très pulpeuses. Ce matin, je me suis levée et au-dessus, c'était trop gonflé. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai jamais touché. Mais du coup, c'est vrai que là, l'astuce, il faut vraiment la tester. Voilà, sur quelqu'un qui n'a pas beaucoup de lèvres, voilà, assez grosses. Comme ça, on verra vraiment le résultat. Mais c'est parti, je vais tester pour vous quand même. Je sais pas si vous avez vu, mais quand elle l'applique, elle fait directement comme ça. Elle dessine pas la forme de ses lèvres, elle fait vraiment une forme arrondie comme ça. Ah! Mon dieu, mais ça a sauté partout. Du coup, allez, on y va. Ça commence très mal cette histoire. Hop là, voilà. Mon dieu. Doucement. Voilà.
Elle fait la même chose en bas. Ok. Mon Dieu, c'est laborieux. C'est catastrophique, cette histoire. Oh, non, mais c'est quoi ça? Ensuite, elle vient en mettre... Oh, mon Dieu. Eh, mais le truc, il sort n'importe comment. Ensuite, elle en met au milieu. Et sur les côtés. Mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi là, j'ai fait n'importe quoi, rien ne va plus. Mais voilà, après qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prendre le plus clair des deux, ok. Ah non, elle met son rouge à lèvres d'abord, ok. Donc c'est parti, je prends mon petit rouge à lèvres que j'arrive pas à ouvrir, mais tout va bien. Voilà, et je vais en mettre ici. Il est trop beau, on dirait du chocolat. J'ai envie de manger du chocolat. Voilà, elle en met en haut et en bas et en haut, comme vous voulez. Et enfin, c'est là où elle vient donner un coup de propre avec le plus clair. Voilà, l'anti-cerne le plus clair. J'en ai plein d'autres, hein, mais je pense que ça, c'est... Voilà, j'aime bien cette teinte et la teinte farde. Ah, mais j'en ai trop mis. Oh, c'est quoi ça? J'en ai trop mis, oh mon Dieu. Voilà, et ici aussi. Je suis impressionnée. Ça fait vraiment comme les filles qui ont des injections. J'ai remarqué que très souvent elles ont des formes un petit peu comme ça, Kylie Jenner et tout, des formes que je trouve trop bizarres. Des fois ça fait des beaux rendus, mais bon bah voilà à peu près, hein, c'est pas trop ça au niveau de l'estompage. Mais sinon la forme, l'astuce et tout, elle est vraiment trop bien. Donc si vous avez des concealers, un peu importe, hein, pas forcément ceux-là, n'hésitez pas à tester cette astuce de votre côté. On passe à la pire astuce de TikTok, accrochez-vous, on regarde ça. Alors cette astuce est très bizarre et un peu dangereuse aussi, donc attention. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre du coton-tige, voilà, moi j'en ai plein ici, qu'elle va mettre entre les plaques de son fer à lisser et elle va refermer super super fort, voilà, pour que ça chauffe à fond. Donc moi je l'ai mis à fond mon fer à lisser et ensuite elle va venir appuyer au niveau de ses cils, mais très rapidement, faut pas perdre de temps. Sans perdre de temps, vous appuyez à fond comme ça, voilà, pour que la chaleur reste à fond et ensuite que ça lifte vos cils, que ça les recourbe, qu'ils soient encore plus beaux, plus longs, etc., bien recourbés. Donc c'est parti, on va tester ça. Je vais prendre un coton-tige, mon fer à lisser, il est hyper chaud, donc j'espère que je vais pas me brûler les cils dans cette vidéo. Et en plus ça sent trop le feu là, ça sent la fumée, le cramé. J'espère que je suis pas en train de cramer ma table, attention. Donc voilà, hop, ensuite elle fait comme ça, elle appuie très fort. Ouh, et j'ai eu trop peur, j'ai cru que le truc il prenait feu déjà. Eh non, attends un peu, attends. Donc voilà, elle appuie super super fort, vous voyez. Et ensuite très rapidement, oh mon Dieu, regardez, il y a de la fumée. Oh mon Dieu, ça commence très mal. Oh, il y a de la fumée qui est sortie là, j'ai eu peur. Ouh, oh mon Dieu, hey, mais il y a de la fumée, c'est un truc de malade. Oh, j'arrive pas à me concentrer là, ça me fait peur cette astuce, ça me fait trop peur. Ah, mon Dieu, mais pourquoi elle glisse tout le temps comme ça? Bon, hop là, voilà, vous appuyez à fond et très rapidement, hop là, vous venez lifter vos cils en appuyant super super fort, voilà. À mort. C'est trop chaud. Oh, et ça me brûle. Ah mon Dieu, j'ai peur de me le mettre dans l'œil ce truc. J'appuie comme une folle, hop là. Et à votre avis, est-ce que ça a fonctionné? Oh, je sais pas du tout. Attendez, je regarde de près. Oh, mais ça marche même pas. Franchement, ça marche pas du tout, quoi. Non, mais c'est quoi cette arnaque? Est-ce que vous voyez? C'est pas du tout recourbé, il se passe rien du tout. Donc non merci. Et j'ai même vu sur TikTok une fille carrément qui mettait directement son fer à lisser au niveau de ses cils, quoi, directement pour les recourber. Ne faites jamais ça les amis, je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent et tout, donc je sais que c'est très dangereux. Ne faites jamais jamais ça. Mais franchement j'ai trouvé ça complètement fou. Et en tout cas cette astuce avec les cotons-tiges n'a pas du tout fonctionné. Donc non, ne la reproduisez pas. Économisez vos cotons-tiges, laissez tranquille votre fer à lisser, ça marche pas du tout. Donc voilà pour cette astuce. Donc voilà mes babes, c'est tout pour cette vidéo. J'ai trop aimé vous la faire, j'ai adoré. Même si on avait des astuces vraiment trop nulles et des astuces vraiment cool comme les taches de rousseur, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Même au niveau des lèvres, j'ai rajouté un petit peu de gloss, vous avez vu, mais j'ai trop aimé. Sinon l'astuce avec le sèche-cheveux et les cils, non merci, pour lifter, encore moins pour le fer à lisser, j'ai pas du tout aimé. Et aussi l'effet skin glass, voilà, c'était pas trop, voilà, glass skin.
Halloween. C'était pas trop ça, mais voilà, j'ai trop aimé tester tout ça pour vous. J'espère que vous avez bien rigolé de votre côté avec moi. Quant à moi, je fais des très gros bisous. Comme toujours, mettez plein de gros pouces en l'air pour me voir tester encore plein d'autres astuces, vraiment trop d'autres bizarres. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la Makeup Chic Family. Ça se passe juste en dessous, il y a un petit bouton rouge pour cliquer sur s'abonner tout de suite. Et aussi, activer les petites notifications en cliquant sur la cloche. Vous connaissez. Rejoignez-moi aussi sur TikTok, je suis de nouveau de retour, très active et tout. Donc voilà, je vous attends sur TikTok. Amusez-vous bien. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous aime de tout mon cœur. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.